Oh coucou, on est mercredi. Ouais, mercredi 8, hein, je vous ai déjà fait une vidéo, je crois. Même, je suis sûre. Et bon, vous regardez pas le bazar, là, je suis en train de faire du rangement. Là, j'ai préparé des champignons, je les ai lavés, je vais leur couper un peu les pieds, enfin, le bout des pieds. Et ceux qui sont un peu trop gros, je vais les couper en deux. Voilà, comme ça. Seulement, je vais couper juste le pied qui est un peu qui me plaît pas. Voilà, je les ai depuis vendredi quand même, donc je dis il faut absolument que je les fasse. Donc j'en ai gardé un petit peu, hein. J'en ai gardé un petit peu. J'avais deux barquettes, j'en ai gardé un petit peu. J'ai gardé les plus petits que je vais mettre en salade. Voilà, donc ceux-là, je les coupe. Je vais faire chauffer du beurre. Dans une autre poêle, là pour l'instant, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Hein. C'est pas une recette qui est trop compliquée, mais c'est la première fois que je la fais. Hein. Je l'ai trouvé, alors je l'ai pas trouvé sur comment sur les vidéos que je regarde d'habitude. J'ai trouvé sur une autre vidéo et j'ai dit tiens, c'est pas mal comme idée. Donc, j'ai dit, je vais me la faire aussi, celle-ci. Alors, il faut du beurre, du sucre, ben, des champignons et une feuille de papier cuisson. Voilà. Donc, je vais mettre mon beurre à chauffer. Une fois que j'ai fini de couper tout ça, je ne sais même pas si je vais tout faire parce que, oh, quoi que ça fond un peu, ça. Enfin, je vais voir. Je vais. Voilà. Bon. Je vous laisse, je vais mettre mon beurre à chauffer et je vous reprends. Voilà, j'ai mis mon beurre à chauffer. Il est en train de chauffer. Hein. J'ai mis à peu près 30-40 grammes de beurre. Hein. Environ, ça dépend de la quantité de champignons que vous allez avoir. Je ne sais pas, c'est la première fois que je fais, donc on va bien voir. Une fois que mon beurre va être fondu, je vais mettre mes champignons. On essaie que les champignons se touchent, enfin se touchent, mais qu'ils ne soient pas trop en hauteur. Voilà, comme ça. On va essayer. On va les laisser colorer. On va les laisser colorer un petit peu. Je vais les retirer. Hop. J'ai préparé. Alors, je prépare une cuillère à soupe, mon sucre et dans une feuille de cuisson, je me suis coupé un rond et je vais faire un trou au milieu. Enfin, je vais faire un petit trou, je vais faire une cheminée. Donc pour ça, ben, je ne sais pas trop la grandeur qu'il va me falloir. Je vais le replier encore. Voir. Bon, c'est pas un rond rond, mais c'est un rond quand même. Hein. Ça va pas être trop grand. Voilà, je fais ça. C'est pas tellement un rond, mais ça ira quand même. Voilà. Donc, je vais les laisser colorer un petit peu. J'ai pris les plus gros, hein, les gros, les moyens, mais mes tout petits, je vais les mettre en vinaigrette avec un peu de salade, un œuf dur, ça va le faire. Ouais, j'aurais dû les faire colorer hors. Mais comme je pense que je vais avoir pas trop de minutes sur cette recette là, je vais rester un petit peu avec vous. Hop. Vous voyez, il commence à colorer. Hein.
Ouais, j'adore les champignons. On peut les faire aussi à l'ail au persil, mais là, je pense que ça s'appelle des champignons. Attendez, je l'ai marqué, je m'en rappelle bien plus. Des champignons glacés à brun. Je connais pas. Champignons glacés à brun. Encore un petit peu. Ça fait combien de minutes que je suis avec vous? 3 minutes pour là, avec le beurre. Avant, je ne sais pas. Donc, je verrai. S'il faut, je couperai un petit peu. Là. Une fois qu'ils sont dorés, qui sont une couleur. Oui, mais alors moi je vais peut-être pas mettre une grosse cuillère quand même hein, parce que encore un petit peu je crois quand même. Voilà, du sucre et comme le champignon il est rendu jus. Déjà, je vais laisser un petit peu. Parce que... Voilà, comme ça, ça n'est pas trop vite. Je vais le couvrir avec ma feuille de... cuisson. Comme ça, le jus, ils vont le garder. Là. Voilà. Et je vais laisser pendant 10 minutes et je vous reprends. Voilà mes champignons. Alors, en cours de cuisson, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau parce que ça a eu tendance à... Comment? À boire un petit peu trop le jus. J'avais peut-être laissé le feu encore un peu trop fort. Mais j'ai mis pendant 8 minutes, voilà, 8 minutes, et là, je pense qu'ils sont bons, je n'ai pas encore goûté, mais j'ai pas envie de me brûler, donc je vais essayer d'en goûter un, je vais vous dire. Alors, attendez, hein. Je souffle, hein, parce que c'est chaud, en plus avec le sucre, c'est encore plus chaud. Bah écoutez, c'est pas si mauvais que ça. Voilà, c'est tout simple, mais c'est pas mauvais. Voilà, bah j'espère que ça va vous donner encore une petite idée de... Ça change des champignons à l'ail au persil, des... enfin de tout ça, quoi. Il faut aimer le sucre, quoi. Il faut aimer le... Là, j'ai pas salé, j'ai pas poivré, j'ai juste mis un peu de sucre. Voilà, c'est tout. Puis une petite goutte d'eau en cours de cuisson quand même que j'ai rajoutée. Et voilà. Donc, bon appétit, bisous.